Bonjour à tous, c'est GX. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va galérer aujourd'hui. Je vous jure. J'ai pris un petit Ice Tea parce que les efforts seront au rendez-vous aujourd'hui. L'Ice Tea c'est meilleur que le Coca, là y'a pas de débat les gars. Aucun débat possible. Bonjour à tous, c'est GX, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va unbox un bureau élévateur. Je ne sais pas comment ça s'appelle réellement, mais j'ai reçu un colis qui permet de faire ça avec son bureau. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai une planche ici, parce que à l'ancienne j'avais acheté deux bureaux comme j'ai actuellement, sans faire exprès, sur Amazon. Et au lieu de leur envoyer, je l'ai gardé et je l'ai mis en stock. Aujourd'hui on va devoir ouvrir ce colis dans lequel il y a des tréteaux, des sortes de tréteaux élévateurs, pour pouvoir poser un bureau par dessus et poser mon setup dessus. Je pourrais faire des vidéos debout et même travailler debout, ça peut être super intéressant. L'expérience sera au rendez-vous, j'ai très hâte. À savoir que ça coûte environ 300 et quelques euros, 340, 350. Je tiens à remercier la marque FlexiSpot qui m'a envoyé ce magnifique colis, merci infiniment. Ils m'ont pas payé pour cette vidéo, ils m'ont juste envoyé en contrepartie d'une vidéo ce colis entièrement gratuitement. Donc c'est parti, on va galérer sérieusement parce que je dois démonter mon setup. Là je transpire déjà rien que de voir les écrans posés, mon routeur 4G, mon clavier, ma souris et tous les câbles qui y a en dessous, c'est fou. Bref, donc c'est parti, on va commencer. Donc n'hésitez pas à me motiver en vous abonnant et en likant un petit peu la vidéo, parce que là je sens que je vais vraiment galérer. Allez, on change de position. Oula, c'est bizarre. Et bien heureux les amis, donc c'est parti, je vais galérer avec le micro, mais c'est pas grave, on ouvre le colis qui est complètement énorme. Hop, c'est parti. On dirait même qu'il est un peu trop petit pour tout ce qu'il y a dedans, mais il est vraiment sacrément lourd. Hop, on ouvre ça. Oula. Ok. Oh là 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 là. Alors du coup, oui, c'est une table électrique, comme vous en doutez bien. Le câble d'alimentation, du coup, pour la table, c'est assez chelou de dire ça. Les vis, des pièces, bah du coup des pieds ou je ne sais pas. Voilà, on a des objets. Ça c'est horrible, ça en met partout, vraiment c'est horrible. On a une pièce comme ça, ici on a tout ce qui est alimentation, batterie. Je commence à avoir peur, il y a encore plein de fils. Et on a ça qui est complètement énorme. C'est ce qui va porter la table. Sors. Je vous l'ai dit que ça allait mal se passer les gars, vraiment. Bref, donc c'est parti, on va lire la notice, essayer de comprendre ça. Wesh, je sais pas si vous voyez bien, il y a un mec qui fait du vélo en même temps, il est sur son PC. Bon, il va peut-être un peu loin là, mais ok. En tout cas, c'est cool, ça permet de montrer qu'on peut faire beaucoup d'autres choses. Regardez, cette demoiselle travaille sur son ordinateur tout en étant debout. Il y a beaucoup d'exemples de sport qui reviennent. Alors regardez, ça peut être vraiment super sympa. J'ai vraiment hâte, c'est un gros produit. Bon, je pense que je vais faire un petit timelapse parce que vous en battez les couilles, tout simplement. Et je vous comprends, mais je vous comprends bien. C'est énorme les gars, vraiment. Je vous jure, c'est super lourd. Vraiment. Je pense 10 kilos. Ah, d'accord. Et j'attache ça comme... Ils sont où les écrous? Ils ont disparu. Les gars, c'est le bordel, je suis en train de démonter tout, mais vraiment tout, et j'ai deux tables, enfin c'est vraiment trop le bordel les gars, je vous jure, j'ai transpiré, je vous jure, j'ai vraiment transpiré les gars, c'est horrible. Bon, c'est bientôt fini en tout cas, on se retrouve après pour le résultat, et pour resetup tout ça, parce que regardez le bordel. Ok, donc petit résumé de ce qui s'est passé au final. Bah en fait j'ai bien galéré et ma caméra n'a pas pu tout filmer, mais du coup la table est montée. Voici un petit peu le spot pour régler la hauteur de la table. Il c'est magnifique, on peut configurer 3 modes, c'est à dire que par exemple le 1 je peux mettre 80 cm, le 2 1 m et le 3 1 m 20, il va jusqu'à 1 m 50. Là on me voit jouer debout et vous pouvez voir que c'est assez pratique, c'est assez cool, et voilà ce que ça donne d'ensemble en fait. Je vais faire une petite vue d'ensemble pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça rend, c'est super. Et bien heureux, on se retrouve enfin après avoir monté tout ça les gars, je vous jure que ça a été une galère pour moi, j'en peux plus, j'ai mal au dos, j'ai ragé, honnêtement j'ai voulu tout casser pendant un moment. C'est très très chiant à monter, mais c'est pas si long que ça. Et du coup bah là je suis en position debout comme vous avez vu. Petit problème, c'est juste mes écouteurs qui sont pas assez grands pour aller jusqu'à mes oreilles quand je suis debout, donc c'est pas grave. Autant vous dire que pour bosser ça peut être super bien. Et quand je parle de bosser, je parle pas de jouer à Minecraft, je parle plutôt de faire un montage ou écrire des trucs et tout. Ça peut être vraiment super. Et voilà, il y a un truc à prendre en compte aussi, c'est vos fils, est-ce qu'ils sont longs ou pas. Et s'ils sont pas longs, faites en sorte que ça nique pas tout quand vous augmentez la taille de votre bureau. Ça peut monter jusqu'à 1 m 50. Par contre, pourquoi ma souris ne fonctionne pas? Les gars, je vais vraiment péter un câble. Ma souris elle fonctionne pas, c'est quoi ce merde? Mais du coup là je peux faire des vidéos réactions et tout, des trucs cool, ça peut être drôle, ça peut être bien. Ça va me changer un petit peu la vie, ça peut être super cool de pouvoir faire des trucs debout et tout des fois. Par contre après je vais pas rester debout pendant 8 ans hein, ça c'est sûr. Et je pense que la caméra bouge parce que mon trépied n'est pas assez grand. J'en peux plus, vraiment j'en peux plus, je vous jure. Allez, on va se défouler sur cet abruti qui cheat. Ça se voit, il cheat, je vous jure il cheat.
Oh là là, en plus je tombe contre des chiens de mort. Ok, facile. Mon fil n'est pas assez long, vous avez vu? Là par exemple j'ai pas pu turn. Mais c'est quoi ce truc de merde? Aise. Aise! Bon, je pense qu'on va s'arrêter là les gars, parce que là j'en peux vraiment plus. J'ai fait deux vidéos aujourd'hui, j'ai dormi 6 heures. Et j'ai pas arrêté de courir comme un gros. Donc j'en peux plus. On va se passer. On va. Ah, on se retrouve pour faire la conclusion, c'est parti. Bref, pour faire la conclusion de ce magnifique bureau, bah honnêtement, il est super beau. Il est trop kiffant, par contre il a été galère à installer. Putain, qu'est-ce que j'en ai marre les gars. J'ai des gouttes de sueur partout, je dois aller me relaver. Ça fait 3 fois que je me lave aujourd'hui, j'en ai ras le cul. Merde. Ça a été long, dur, mais au moins le résultat est là. Je peux augmenter ou baisser et écouter le bruit quand je baisse. En temps normal ça m'aurait fait rire, mais là j'ai envie d'exploser tout. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Moi c'était super galère de tout démonter et tout. J'ai vu trop de vis, j'ai dû trop dévisser, visser, là j'en ai marre. En tout cas, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis moi je vous laisse à la prochaine. Parce que là je sais pas comment finir, vous avez vu. Ah.